Ça va. Que dit la Bible à propos des dots, de la dot? Et d'autres frais liés au mariage? Ça dépend des cultures. La Bible ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Il y a d'autres peuples. Je crois que chez les Indiens, c'est la femme qui dote chez l'homme. Ça dépend. En Europe, on ne donne pas la dot chez les parents. Ce que la femme apporte dans le mariage et ce que l'homme apporte dans le mariage, c'est ce qu'on appelle dot. Et on écrit la dot de la femme. La dot de la femme. Une maison, une voiture, la dot de l'homme, un camion, tout ce que vous apportez. Donc ça dépend de... Ça dépend. Suivez comme ça se fait dans votre dans vos coutumes. Il n'y a pas de dot biblique. Un frère me demande, un frère, est-ce que... Non, pourquoi il n'y a pas de dot biblique? Il dit, est-ce que tu sauras payer la dot biblique? Est-ce que tu sauras payer la dot biblique? Jacob, pour avoir sa femme, il a travaillé 7 ans dans le champ de son beau-père. Et on lui a donné Léa. Il dit, mais ce n'est pas celle-ci. Il dit, ah, chez nous, on ne peut pas donner la cadette avant. Si tu veux aussi la cadette, encore 7 ans. C'est ça la dot biblique. Tu ne sauras pas.